Ça j'ai faut que je commence à m'amener. Bon, ben, bienvenue tout le monde, capsule numéro 40 du Gourou Gougoun. Nous sommes le 14 août, 14 août 2016. C'est bien ça. Parce que je peux pas l'air d'être perdu, parce que des fois, là, il y a de la boucane aussi dans, dans le paradis cosmique. J'entends des petites voix. Voilà. La chaise était pas bourrée. Il fait crisser qu'il y a très à quoi. Bon. Aujourd'hui, je vais parler, je vais vous confier des choses. Là. Puis je fais l'introduction, après ça je fais le gourou se confie, après ça je fais le chasseur de fantômes. On va en parler un petit peu. Ça parle beaucoup de ça. Ça risque de... Ça risque de, comment dirais-je, graffiner certaines petites croyances. Bon. Comment je vais partir ça, l'affaire? C'est parce que le but, là, c'est de l'humour. Du moins, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre dans mes capsules, que c'est juste de l'humour. Oui, parfois, des fois, ça arrive des fois que je dis des choses sérieuses, là. Ça m'arrive, tu sais. Prioritairement, c'est supposé de l'humour, là. Hein? Je commencerai pas à aller fouiller dans votre boîte à poux, là, voilà. Non, 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 non. À Marc, il y en a qui le font, là. Il a tellement bien fait qu'il a fait une patente avec. Oh, pas fin. Non, mais c'est sans blague, là. J'aurais pu faire comme lui, moi aussi, là. Là, j'ai pas moins de vous dire de c'est qui je parle, là. Quand on parle de gourou, là, on parle de ceux qui qui font des patentes avec leurs idéologies. Puis l'ésotérisme, c'est une idéologie qu'on se le dise. Ça peut pas faire autrement. Il faut avoir une certaine croyance à qu'est-ce qui se développe en ésotérisme. Si t'as pas de croyance dans ça, ça ne donne rien d'écouter puis de lire qu'est-ce qui a trait l'ésotérisme. On dit comme Slow-Mo a déjà écrit sur le forum, mais en radio, l'ésotérisme c'est pas fait pour tout le monde. C'est rien fait pour les babottes. Là, faut que je précise quelque chose. Là. Les barbottes, là, c'est pas tout le monde là, qui sont barbottes dans le forum. Là. Faut bien comprendre l'allusion que j'apporte à ce mot-là, aux barbottes. Les barbottes, c'est sûr, là, les femmes. Les femmes du gourou. Ils se mettraient à poil, hein, rien pour comprendre, rien pour avoir l'assortiment du gourou. Hein? Ouais. Ils font vraiment. Dis pas ceux qui font des qui adhèrent au club là. Ça, c'est vraiment personnel pour chaque personne. Et, ça leur appartient de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais les babottes, habituellement, ceux que je nomme des babottes. Les autres, quel que soit le contenu qui sera là-dedans, ils vont toujours sortir de l'argent dans leur poche. Ils appellent ça les femmes. Les femmes, là.
Comment on pas les cheerleaders? comment t'appelles ça, les groupies? Moi, j'appelle ça des babottes. Autre mot que j'utilise souvent, ça c'est encore pire, c'est les mouches à marde. Les mouches à marde, c'est ceux qui gravitent autour de la marde, là. Oh. Ceux qui lâchent pas la patente, là. Parce qu'il y a une couple de fois que ce gourou-là, il disait qu'il était pour mettre la clé dans la porte, puis finalement, ça roule encore. C'est parce qu'il y a des mouches à marde dans l'entour. Il ne veut pas que ça ferme. Là. Il aime ça, de la merde. Dans le fond, ces personnes-là, là, c'est comme des lieutenants d'un parrainage de mafia, là. Ils sont là, là. Les autres sont là, là. Il faut qu'ils aillent là, là. Faut que la patente elle roule. C'est ça. Bon. Bon, je vois pas de minuterie, y'a pas ça. Ah, ok. Ok, je viens d'avoir la minuterie. Yeah. Comment ça, 320? Je là là. Je sais pas comment ça fait que c'est le domaine, ça. Le quoi? C'est marqué 200, 320, 340. Bon, on va laisser le même, mais je mettrai ça plus gros, c'est à la fin. C'est le cadrage. Je comprends pas, il est d'habitude, il était à 700. Anyway. Il est à 320. Ah. Bizarre. En tout cas. Il y a une affaire que je vais parler aussi, là. C'est concernant l'application Flash du forum. Surtout avec l'application Malletour Forum. Apparemment, il y aurait un bug qui s'est créé dans l'application Flash sur le forum. Je sais pas, parce que c'est pas juste notre forum, mais il y a le forum en radio aussi qui est comme ça, parce que JF Poulet il a marqué un message concernant qu'il voit plus les vidéos dessus le forum. Personnellement, je doute qu'il y ait un bug, parce que moi, il fonctionne très bien. Il y en a d'autres qui disent que la fonction est bonne encore. J'ai l'impression que c'est plus une affaire de modules ou des applications flash des appareils qui font des faux tenants. Soit qu'ils sont pas mis à jour, ou soit c'est que il y a aucune reconnaissance avec l'environnement auquel vous surfez sur Internet. Si exemple, vous surfez avec Mozilla, il faut vérifier le module Adobe Flash pour voir s'il est vraiment mis à jour. Mais avec Mozilla, ça se fait automatiquement. Ils mettent les mises à jour automatiques. Mais je sais que par Explorer, il faut que... Puis par un autre aussi, je me rappelle plus là, du nom, un autre environnement. Alors, sur environnement Windows, naturellement, parce que l'environnement Linux est une autre histoire, une autre page. Je connais rien dans Linux. Mais apparemment, c'est à peu près la même chose que le Apple. Au point de vue de langage machine. Mais je connais pas assez le langage machine pour comprendre ce qu'est-ce qu'elle veut dire, là. Il y a une différence entre comprendre l'HTML, le PHP, puis de travailler avec les applications CSS. Il y a une différence avec ça, puis le langage machine. Donc, vérifiez vos modules. Ils appellent ça des plugins en anglais. Vérifiez ça, voir s'ils sont à jour
où vous devez les mettre à jour. Ça peut être juste ça. Tout dépendant de l'environnement de votre ordinateur. J'ai l'environnement Windows 10. Il n'y a aucun problème. Mais il se peut que si vous avez deux environnements sur votre appareil, qu'il y ait une non-reconnaissance des modules sur l'une ou l'autre des environnements. C'est comme s'il y aurait, c'est comme s'il y a un esprit d'entrain entre la réalité puis l'irréalité. Je tenais à vous le dire, je crois que c'est fait. je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tranquille un peu partout. Même sur Facebook. Quand tu sais que Facebook est tranquille, c'est que tu vois juste des partages de des partages de murs de comme le genre les Timinous qui dansent là. Ou ben non, des belles grosses images avec une pensée, une citation du jour. Par contre, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais il y a de moins en moins de gens qui sont, comment je vous dis ça, le amour? Tu sais, quand t'es un chanteur, il est en cours de quelque chose, comment tu dis ça? Il est quoi? Mettons, il est en cause de quelque chose. Il n'y a plus une cause? Ouais. Comment tu appelles ça? Mais, depuis tantôt, je cherche mes mots, là, si ça va bien. Moi, j'ai pas fait les mots, mais là, j'ai dit. C'est quoi, le dealer? C'est quoi? On dit qu'un artiste qui est. Il est dedans, il n'y a plus à cause. Un autre. Moi, je sais qu'il y en a pour ça, je suis sûr. Moi, je suis sûr, mais je ne trouve pas. Ben, vas-y, Johnson, on va parler. Ben, c'était pourquoi j'en venais à ça, là. Mais là, c'est que j'ai vu des messages sur Facebook concernant ceux qui émettent des causes puis des tracts de qu'est-ce qui se passe avec le monde au point de vue du terrorisme, au point de vue des religions, puis au point de vue de ci et de ça, les implications de certains membres de Facebook qui marquent de ci, qui partagent ces causes-là. Là. Je trouve que, sans que ça serve vraiment, parce que pour moi, c'est jamais assez, là, parce que je trouve ça plus important de voir ces choses que se cacher à la tête comme une autruche dans le sable, là. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que il y a moins en moins de participation à ces messages-là. Je sais pas pourquoi. Le monde est tanné. Sans doute. Mais, c'est pas nécessaire de dire aux autres d'arrêter d'en placer. Au contraire, nous j'approuve que les gens s'impliquent, c'est ça, s'impliquent là-dedans, que de voir des crises de minous qui grattent le cul, ou ben non, tu fais bleu, t'es voué graffier le plafond, c'est pas rien sous le plafond, c'est que leur griffe. Bon. C'est toujours bien mieux que regarder une vidéo avec une vidéoconférence où ça parle des fantômes, tu sais. Franchement. Oh!
l'a constaté, j'ai un petit peu de difficulté avec mon physique actuellement. On approche du... On s'enligne vers la pleine lune, fait que je suis dans le dernier croissant. Puis quand je suis dans le dernier croissant, on dirait que la douleur, elle monte. Fait que je vais limiter mon temps, mais je voulais le faire, la vidéo à soir, parce que plus j'attends, plus que c'est... Plus que j'allais... plus j'attends, plus il n'aurait pas aussi. Tu peux fermer sa gueule, ta maudit gourou fou là. Bon. Ben, moi, je vous dis, là, que j'en fais moins parce que, premièrement, c'est l'été, hein, il fait chaud. C'est pas une grosse accoutrement de mettre une perruque puis mettre un chandail pour être présentable, là. C'est ça, j'ai un chandail, mais j'ai d'autres choses aussi. Je me promène pas tout nu dans la maison, là. Tu me promets, fais un film que je me promène en bobette. Ça ferait toute une chance, là. Non, 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 t'as pas le droit de faire ça à mon insu. Un plan que je tombe en insuffisance cardiaque. On est venu au monde tout nu. On va mourir tout nu. On est toute une gang de tout nu. Eh oui, c'est important de rire. C'est aussi important de croire au rêve américain qu'on vit. Ah ouais, mon épais. Travaille! Mets-toi ventre à terre, puis mets-en l'énergie. Ah ouais, brûle la chandelle par les deux bouts. Ça brille fort, mais ça brille pas longtemps. Et continue! Tout ça pour te ramasser un char, un petit nid d'amour, et un lopet de terre. Ah ouais, maudit calvaire. Continue l'oreille. Ah ouais, puis applaudis quand le truc cul d'en haut, si tu te chies sur la tête. Ouais, ah ouais. C'est comme ça la vie, hein? Ben oui! Il n'y a pas d'autre modèle. Hein? Les modèles que je vois sur Facebook pour dire la vie. Ben moi je regarde plus bien les modèles sur Facebook si je commence à broyer. C'est décourageant. C'est ça que vous voulez vivre? Ou c'est ça que vous vivez? Il y a des injustices. Ben, c'est normal qu'il y ait des injustices. Il faut que tu travailles! Travaille pas, tu n'auras pas de justice. Parce que la justice, ça s'adapte. Plus t'as d'argent, plus t'as des chances de sortir de l'eau, blanc en neige. Ben oui! À moins que c'est pas toujours une évidence. T'sais, quand t'es rendu, tu dépèces tes enfants, dépecer ses enfants avec un avec un bistouri. Puis sortir de là parce que ça filait pas dans le coco, parce que t'as bu du lave-glace, là. Tu t'en sors pour à peu près un an de Pinel, puis tu sors après. Mais une chance qu'il y a eu... comment qu'il appelle ça? Le deuxième coup qu'il y a eu, lui, là. Comment t'appelles ça? Une autre chose. Il a repassé en cours encore pour une deuxième fois. C'est pas...
C'est pas un appel, parce que c'est pas lui qui a fait l'appel. Puis il a été chargé de tous les hommes. Ouais, il a rendu c'est le temps des plans, ça a l'air. C'est vrai qu'il y a eu une chose de voler, là, par là. Dans la Connor. C'est ça. Deux prisons fédérales. Trois prisons fédérales au Québec, si je me trompe pas. Quatre, même. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y en a une à Donnacona. Il y en a une, ici, pas loin, à Waterloo. T'en as une, entre la Conception et la Belle. Comment ça s'appelle, ce? Macasa. Puis t'en as une à Saint-Anne-des-Plaines. Je ne sais pas si c'est laquelle, là, mais je sais qu'ils ont fait le voler en arrivant là. Et puis quand ils ont interrogé les gars autour, les gars ont dit ça aussi. Le pénitencier d'Archambault à Saint-Anne-des-Plaines, c'est... Non, ils ne peuvent pas s'en sauver. Puis, ben, les gars, ils n'ont pas été punis parce qu'ils ont fait... Encore le plus pauvre, c'est qui l'a fait? C'est ça. C'est parce que, normalement, quand un gars se fait pas, je vais expliquer ça vite fait, là. Et normalement, c'est comme dans l'armée, là. C'est ça de même, prenez qu'est-ce qu'il fait, il va t'affaire, puis, jeter le reste, là. Normalement, quand un gars qui veut, il se pose à faire passer, il voit pas c'est qui le fait. La technique qui est employée dans l'armée, c'est la couverte. C'est que tu prends une couverte avec une coupe de gars à l'entour de toi, puis tu verses la couverte dessus le gars, puis tu sautes dessus tout de suite pour pas qu'il se réveille. Normalement, c'est comme passer à tabou. Mais il était chanceux parce qu'il n'a pas été piqué, ça a l'air. Eh oui. Ça ne me regarde pas, c'est son affaire. C'est lui le problème, c'est lui qui a fait causer le problème pour que c'est là. Et, trop jaloux, trop possessif, c'est ça que ça donne. Ça devient fou, puis ça n'a plus de logique dans sa tête, puis c'est ça. Pète les plombs. Bon. Fait que, pour revenir à la situation mondiale de l'être humain, c'est ça. Plus tu vas nourrir le trucu d'en haut, plus tu vas manger de la merde. C'est ça qui arrive. C'est drôle de bien ça. Faut pas nier, c'est comme ça. C'est que, travail! Ah ouais, mon esclave! On va te faire briller des beaux billets verts pour que les yeux t'allument puis que ton cerveau vienne fou, capote. Gna, gna, gna. Oh, belle maison. Oh, beau char. Oh, une belle blonde. Ah ouais. Travaille, mon idiot. Bon, on va aller prendre un petit break. Après ça, je vais parler des fantômes. C'est ça le plus gros. C'est pour ça que je voyais l'eau. Je sais pas comment ça fait que ça a changé de cadrage. En tout cas, j'en ai autant que ça fonctionne, hein? Donc, on va essayer de mettre les compos. Parce que ce que je vais parler, c'est des fantômes. Des fantômes, ça n'existe pas. On apprenait ça à l'école, et comme une cantine. Dans mon temps. Dans ton temps aussi, tu chantais ça? Tu fais ça? Non, je sais pas. Non? Comment ça, tu sais pas? Ben, parce que je me rappelle pas vraiment. Okay. Il me semble que c'était quand les filles étaient jeunes. C'était-tu dans le programme de Passe-Partout, ça? Peut-être. Peut-être, hein? Je me rappelle pas, moi non plus.
Les comptes à Frof Coluche. La série avec le Rex a fait une photo montage de R2-T2 qui faisait le compte de Frof Coluche. Ah, tu l'as trouvé. T'es bonne en tabarnak, ça. Attends un peu. Je vais la sortir. On va faire une demande à Rex Lax, s'il est d'accord que je la pose. On va lui demander. Même, je ne sais pas, je lui demande tout de suite. Bon, en tout cas, ultérieurement, je vais le mettre si j'ai l'accord. C'est qui l'a fait, c'est qui a fait dernièrement, c'est le Havre. C'est l'avion Arrow que l'autre, le bord, le gourou, il capote chaque année, s'il sort ça. Là, cette semaine, il est sorti des affaires de marionnettes, hein. Ceux qui tiennent les ficelles. Ça aussi, c'est une vieille histoire, ça fait longtemps que ça fonctionne. Ça, c'est une crème aux champignons et pour tes dates. La dernière fois, je suis allé là, en juin ou en juillet 2007, si je ne me trompe pas. Il parlait justement de ça, les manipulations des ficelles, qui tient extrait les marionnettes, c'est qui extrait la marionnette. Ça n'a pas changé, on est en 2016, ça fait déjà 9 ans de ça, tu sais. Il en parle encore, ben c'est à toutes les ans. C'est bien simple. Chose surprenante, il n'y a même pas besoin de créer des textes pour faire ses compléments. Il va le chercher direct sur l'ordi, puis le crisse là, ça fait un mal à Oh! Les choses non surprenantes. Bon. Là, il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt rare. Ben, je sais pas, là. Dans le passé, est-ce que tu te souviens s'il y avait déjà parlé des fantômes? Des chasseurs de fantômes? Que oui. Il me semble que oui, dans des choses, normal, là. Oui. Mais lui, il n'avait-tu parlé? Il n'y avait pas ouvert de sujet à ce niveau-là, je pense, d'accord? En tout cas, c'est paranormal. C'est pas ésotérique, c'est paranormal. Si tu parles en biais, qu'est-ce qui peut dépendre de ces phénomènes-là? Ça, c'est de l'ésotérisme. Mais parler de fantômes, la chasse aux fantômes, c'est pas ésotérique partout, là. Premièrement, pour chercher des fantômes, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, hein. Normalement, c'est pas des fantômes. Au palais, là, j'en vois, là, qui me regarde. Non. C'est pas des phénomènes de... des entités là qui tapageurs et puis provocateurs puis whatever. Non. Ça c'est dû à l'emplacement spécifique tellurique de l'endroit qui fait provoquer ça. C'est comme s'il mettrait deux aimants un en face de l'autre, mais dans les mêmes polarités là. Positif avec le positif. Tu mets ça ensemble, ils vont s'écarter. C'est le même principe. Dans un endroit X, il y a des phénomènes du genre qui se produisent. C'est comme s'il y avait deux polarités semblables qui se rencontrent. Puis si tu as une maison construite dessus, de ces endroits-là, la poêle, ben c'est ça qui se produit. Il y a des phénomènes qui se produisent. Surtout des phénomènes où ce que les choses, les objets bougent. C'est comme si ça serait garoché, ben donc ça tombe.
les portes d'armoire sur roues, puis whatever. C'est pas des phénomènes d'entités disparues qui sont restées, qui demeurent là. Il peut arriver que des sensibles, comme les médiums qui appellent, peuvent authentifier qu'il y a une entité d'un endroit. Mais encore là, j'ai un grand doute à cause du phénomène de répulsion des pôles du même pôle. Comme j'ai dit tantôt, les pôles les pôles positifs qui se rencontrent, ça les jette. Comme des pôles négatifs aussi, je pense. Si je me trompe pas, ça fait. En tout cas. Je sais pas, mais... Tu mets le deuxième air, tu vas voir, là. C'est d'un côté qui va se coller. L'autre côté, si tu mets sur le même bord, il se collera pas, ils vont s'écarter. Ouais. C'est le phénomène qui se fait ça, c'est le magnétisme. C'est électrique. Bon. Ouf. Ça pas fait là-dedans. C'est quoi la différence entre des fantômes et des revenants? Je pense qu'il y en a, là. Il n'y a pas de différence, c'est deux mêmes choses. Des revenants. Ils font quoi, les revenants? Ben, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu un fantôme. Ils ont vu Fantôme. une forme blanche, comme là. Ouais. Une femme qui fait une forme blanche. Ouais. Mais quand ils voient une personne, C'est le même principe. Un revenant. Un revenant. Autrement dit, mettons, moi, je meurs, là. Dans 10 ans, peut-être encore vivant, moi, il t'a grouillé le gros orteil dans la lettre, là, puis tu vas me voir. Ouais, ben, faut y être ça, là. C'est ça, un revenant. Ouais, mais... C'est dur à expliquer. Comme moi, là, t'es assis là, Ouais, là. quand t'étais assis là au tardi, quand on avait avec un ordi pour les deux, là. On est sur là. Ben oui, avant que t'as chassé. L'autre avait Ah, pété. ouais, l'autre avait pété, ouais. Puis j'étais assis sur le divan. Ouais. Puis ton chien, je n'avais jamais vu l'image, là, vraiment. OK. Je n'avais jamais remarqué, vraiment. Ouais. Et puis, T'avais vu mon chien à côté de moi? ouais. Puis il était assis. Ouais, pis il était tout à ma C'était pas gauche. une boucane blanche, là. Il était jamais à ma droite, toujours à ma gauche. C'est ça. Mais c'était pas une boucane blanche, je ne savais pas ça, là. OK. Mais c'était pas une boucane blanche, là. C'est comme si vraiment t'as vu la C'est comme s'il personne. était vraiment là. Comme D'un coup, l'animal. là, puis ça part. Ouais, parce que Je moi, l'ai roué, là, après ça part. ça a joué une couple de fois, j'ai vu mon chien Charlie qui est décédé en 2006, 2004. Non, début 2005, c'est vrai. Maintenant, on était décédé. Je l'ai vu se promener dans l'appartement que je restais à un moment donné. Ben, moi, ça m'inquiète pas, j'ai jamais eu peur de ça. Non plus. Puis Même, quand? sans voir l'entité en question, tu peux juste le sentir. Il y en a qui sentent la lavande, d'autres qui sentent le lilas, d'autres, ça dépend de l'essence ou de la personne, de son Moi, pépin. quand je cherche, je vois pas. Moi non plus. Normalement, je ne vois pas. Puis regarde, là, la journée que... un moment donné, là, Ouais. j'ai vu comme un chat noir qui était dans la maison. Ça doit, j'en ai un. J'ai dit comment il a fait pour l'entrer. Il s'appelait Mario! Non, mais celui-là, moi, c'est Mistral, le chat alien. Ah, le Mistral, ok, ouais. Il était pas mort, là. Ah, il est peut-être mieux adapté. Mais le lendemain, sur Facebook, Ouais. ils ont dit ça que C'est ça, il le chat était. alien, il venait de se faire frapper. Il est mieux adapté. C'est bizarre. Il y en a des messages quand même. Ça existe. Ouais, mais moi, il me prend tous les messages à moi, ça fait ça. T'es une médium? Il me prend les messages à tout le monde. Non, mais c'est vrai, c'est Ah, moi que tu veux. rien, Satan. Ok.
Moi, Je veux pas aller parler de l'autre, de sa femme. Je vaux même pas pour moi, moi, je veux toutes les affaires pour les autres. C'est correct. Mais mon oncle, ma tante, elle est. Moi, il y en a un qui est venu me rendre visite, avant qu'il meure, avant de l'avoir su. C'était mon oncle Émile. C'était un gars plutôt respecté, un vieil oncle. C'était l'oncle à mon père. Il est mort, il avait 83 ans, 84 ans. Il était concierge à l'école que j'allais au primaire à Évin. C'était des résidents de Évin. Il était venu me voir, lui, ben, en rêve, naturellement, mais il n'est pas venu me voir de même directement, là. Ouais, mais moi, je suis réveillé quand j'ai voulu. Ouais, ça arrive aussi. Il y a comme, c'est qui que j'avais eu une personne de proche de la famille. C'était pas Maurice, c'était François. Quand il a eu son accident, il est su quand ils ont formé l'église. Quand ils l'ont débranché, il est venu me voir. Puis là, il pouvait être à la roue, on va dire bye bye. Ouais, mais. C'était quelqu'un qui connaissait. Je veux dire, Même lors de mon opération à cœur ouvert l'année passée, je l'ai vu aussi quand ils m'ont réouvert parce que je faisais de l'hémorragie. Et ça me demandait comment ça j'avais une hémorragie. Okay, ils m'ont réouvert, j'ai tout vu ça. Et. Mais moi, pourquoi que moi je voulais les autres aussi? C'est parce que t'as quelque chose à faire avec ça. Je sais pas, moi. Sans doute parce que. Autrement dit, moi, je pouvais avoir tout ce que les autres. C'est ça. Pour moi, ben, y'a rien. T'es une sirène. Une sirène? Ben oui. Ceux qui avaient. T'as averti tout le monde. Oh, ma belle sirène! Que tu as une mauvaise haleine! Mais quoi, une sirène, ça fait la laine de poisson? La laine de barbotte? Je rigole à vous, je Moi aussi. Bon, c'est sûr que ce serait facile de dire qu'une entité s'impérisante et puis qui fait des manifestations bruyantes, c'est facile à subir si hey, c'est un fantôme qu'il y a là. Mais à ton pensée, par exemple. Qu'un phénomène tellurique, comme je vous mentionnais avec le magnétisme, puisse provoquer ces choses dans une maison. Hein? Pourquoi pas? Si y a une répulsion magnétique entre deux aimants du même pôle, il peut y avoir une répulsion magnétique dans un endroit X sur tout le globe, tu sais, à quelque part, là. Si tu regardes, là, j'ai regardé la vidéo que l'autre a mis le bord, là. Puis j'ai regardé l'endroit où exactement où se trouve la maison ciblée dans la vidéo. Dans la cour arrière, tu vois le fleuve, pas le fleuve, la rivière. Puis en avant, tu vois l'église proche, là. Puis si tu veux savoir qu'est-ce qui s'est produit dans tout le secteur, faut que tu regardes les archives de la ville, à savoir si quoi qu'il y a déjà eu à cette maison-là. Parce que les empreintes d'entité peuvent provoquer justement ces magnétismes-là. Ça veut pas dire qu'ils sont là, mais ça peut provoquer ces choses-là. Ça veut pas dire que c'est des entités qui sont là.
Bon. Combien de temps avez-vous ça, là? Comment ça, je vois pas le temps encore? Tantôt, je le voyais, puis là, je le vois plus. Ah, ben, soda! Ok, là. Moi, je trouve ça déplorable que de nos jours, il y en a qui parlent de ça encore aujourd'hui comme si ça serait une nouvelle époque. C'est vieux, cela, là, ces phénomènes-là. Ça fait pas d'aujourd'hui que ça existe, là. Et pourquoi s'en toucher la tête, l'esprit, à savoir qu'est-ce qui se passe dans un endroit? Ça se passe. Mais je trouve les raisons pourquoi ça se passe. Je sais pas, moi, c'est peut-être à cause des positionnements de la maison qui fait en sorte que il y a des répulsions d'ondes, de magnétisme. Fouille-moi. Ah, j'en ai trois couettes. Je savais j'en avais trois. Ouais. Je l'ai trouvé, ma couette. Yeah! Troisième était en arrière de moi. Je la cherchais. Ça rappelait aussi. Bon, en tout cas. Fait que moi, les affaires de chasse aux fantômes, là, permettez-moi de douter de... Comment je dirais bien ça pour faire des insultes, là. Permettez-moi de douter là que c'est vraiment ça qui existe là. Tant que le phénomène n'est pas traité de façon scientifique, moi j'appelle ça de la fanfaronnade ésotérique. Personnellement, j'ai déjà participé à ce genre de choses-là, puis j'ai jamais vraiment découvert les causes particulières pouvant me certifier hors de tout doute que c'est des phénomènes d'entités de revenants ou de fantômes ou de whatever. J'ai tout le temps pensé que c'était un phénomène naturel qui se produit, dont la répulsion des pôles puis la répulsion magnétique entre deux énergies libres, pas emprisonnées, entre deux énergies qui font en sorte que les choses bougent. Comme juste le fait de dire qu'il y a des personnes avec leur force mentale qui peuvent faire déplacer des objets, comme la télékinésie qui appelle ça. Ça, c'est une affaire que j'ai jamais été capable de prouver, mais j'en ai vu des personnes plier des fourchettes, c'est juste par la pensée. Ça existe. Mais c'est-tu par leur propre volonté? Ou ben non, c'est parce qu'il y a un pouvoir de faire changer le magnétique des énergies libres. Tu sais, il y en a qui parlent de la foi, des fois. La foi, ouais. Okay. Mais il y en a qui pensent que ça veut dire la religion. Mais la foi, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'une affaire de religion, la foi, là. Ah oui. C'est pas la religion partout, la foi. Ça peut être un Ça des peut être dans facteurs, n'importe quoi. ça va être, c'est ça, c'est une croyance personnelle. Si t'es sûr que tu vas réussir quelque chose, tu vas réussir. Ben oui, parce que tu formates ton subconscient pour que ça se fasse. Ça. C'est du formatage de subconscient. Et, ça, c'est une autre histoire où je vais parler plus Hey, ultérieurement. Quoi? Sweet Road, là, tu te rassures. De quoi? Sweet Road. C'est quoi, c'est ça? Là, c'est beau. Je sais pas c'est quoi, Non. mais juste une On clique là-dessus, supprimer l'application. Il y a tout ce Ben là, il y a le petit crayon au Facebook qui Il y a un exemple. C'est comme Facebook, là, tu sais, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui se produit là-dedans, mais des fois, là, si tu participes pas à
cliquer j'aime dessus un article d'une personne qui est proche de toi ou ben non. Exemple, tu prends une personne que tu le sais, là. Tu prends une personne, tu cliques pas j'aime dans aucun de ses commentaires ou aucun de ses sujets. Cette personne-là va disparaître de ta liste de ta liste d'amis. C'est eux autres qui décident, tu sais. Ben c'est ça, c'est eux autres qui décident. C'est ça que moi je t'écœurerais. Là, ils sont rendus qu'ils mettent de la publicité visible de sous les, dessus l'accueil. Ils veulent décider de ce qu'on va aimer. Ouais, c'est ça. Ils veulent décider de ce que nous autres on va aimer. Ben, amour, regarde, c'est simple. Facebook, là, c'est une page à clics. Puis ils vivent avec les clics que tu fais. C'est normal qu'ils mettent ça à leur façon pour que le monde clique. C'est une gang de clics. Tu cliques ou tu cliques pas? C'est pas une gang de clics, c'est une gang de Christ. Chante pas, mon bébé! Bon, en tout cas, pour revenir aux fantômes, là, avant de crier au loup, là, vérifiez donc la densité énergétique de la maison avant de paniquer avec ça. Ça peut être deux objets qui ne sont pas supposés être là, mais ils sont en face de l'autre, puis il y en a un des deux là, qui va pousser l'autre en bas. C'est le même principe. J'essaierai de vous expliquer en long, en large. C'est un phénomène naturel qui se produit. Pas besoin de passer des vidéos pour savoir qu'est-ce qui se passe dans une maison de même, c'est ça. Voyons donc, les fantômes, tu les verrais. Oui, oui, oui. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'aurais aimé faire le petit père Jimmy, mais là, ça va être pour une autre fois. Fait que... si vous avez des suggestions de quoi que je pourrais parler sur les vidéos antérieures, n'hésitez pas à me communiquer. Je suis là pour ça. Ciao!